Prédiction présente Alan Key. Hey hey, ici Frankie de Alan Key, bienvenue à la partie 3 de Outlast 2. On commence dès maintenant. Ok, bon. Fait que là, dans le dernier épisode, vers la fin, caché en dessous de l'eau. Ça m'a fait vraiment peur. Pour voir par la fenêtre. Il est où, lui? Devrait pas me voir parce que je suis dans les plantes. Oh non. Oh non. Messe de Christ, Bayel. Quand même là. Va me trouver. Tabarnak, la misère avec la canette. M'as-tu vu? Je pense pas. S'il y a de quoi. M'as-tu vu? M'as-tu vu? On m'a vu. Oh. Oh, je vois rien! Hey! Aïe aïe! Oh oh! Bienvenue dans son mépris! Hey! Je vois rien! Je vois rien! Pantoute! Ok. C'est un pont, ça, là-bas. Tu sais, il y avait quelqu'un qui a traversé. Ça, je le sais. Je suis à la même place. Et que je suis mort tantôt. Là, je compte pas me faire voir. Ça veut dire qu'il avait sûrement passé tantôt. Comment il peut me voir? Ah, ah, ah. Ça doit être ça.
Sneak peek. You go. J'approche pas vite. Il est nulle part. Une classe d'école. Chose Jessica du début. Peut-être. Mais qu'est-ce que... Je rêve. Ou j'ai perdu la tête. Ok, je suis réellement dans la classe. Noir. Come on. Je suis sorti de la classe. La classe de musique. Je suis désolé de devoir faire ça. Tu aurais dû m'aimer. Tu aurais dû m'aider. Bon sang, pardonne-moi. Je ne sais pas quoi faire. Je suis tellement désolé, Jessica. Ok. On va aller dans l'autre pièce. Ça, c'est le corridor. C'est quelque chose? Jessica? Et Lynn? Quand nous étions... C'est les jumelles? La classe de musique? Quasiment la même face. Je suis de retour en quatrième. Ça, ça pourrait pas aller plus mal. Ok. À quelle année? 95-96. Ça fait longtemps. Pascal Morin. La fois, ça doit se passer au Canada. Pas cette place-là, mais... Je parle de le jeu. Ok. Les vieilles TV. Cassette. Non, pas ça, je veux. La manac. Hey! Je la veux! Je la vois! The boot! Come on! Come on! Je la vois! Je la veux! Ah! Et la manette, non? Oh. Ok. C'est bien bizarre, comme bout. Est-ce que je penserais pas pouvoir mourir dans mes rêves? Quelque chose à ramasser? Health kit. Hache pour me guérir, c'est ben trop loin pour moi. Son clavier est séparé en deux.
J'ai peur. Ok. Ok. Encore une fois, une autre pièce qui a rien. Tabarnak! Oh, il neige. C'est pas du tout la même saison. Si je peux pas y aller. Self-discipline. Je peux aller aux toilettes. Les toilettes, c'est toujours la même meilleure place dans les jeux d'horreur. Ok. Batterie dans la toilette, non? Swimming pool. Barré. Je m'en vais dehors. Y'a rien. Ah. Wow, wow. Je déboule quoi? What the fuck? C'est vous, pas vrai? L'étranger. L'œil de Not, ils vous ont tué, pas vrai? Non. Hein? Ah. Pas encore. Eh ben, ils le feront s'ils vous trouvent ici. Venez. Ah. Qui êtes-vous? Je m'appelle Ethan. Je veux dire, êtes-vous l'un d'eux? Dans quel camp êtes-vous? Vous voulez savoir pourquoi j'essaie pas de vous tuer? Je suis... encore un être. What? J'en ai trop vu pour garder la foi. Mais vous n'êtes pas avec les autres, hein? Les hérétiques. J'ai rien dit quand ma femme a eu la dalle. On a dû la chasser. J'ai rien dit quand Not s'est couché sur ma petite Annalie. Elle a à peine 15 ans. Oh, je suis désolé. Interdit. Mais quand il a voulu mon petit-fils, le bébé qu'il a planté dans le ventre de ma fille, qui devait être l'antéchrist, j'ai dû l'éventrer et tuer l'enfant. Ok. Et... c'est chill d'avoir quelqu'un au moins un peu correct avec nous. Je lui ai donné une chance de s'enfuir. J'ai baratiné ces crétins. J'ai toujours su quoi dire. Vous avez peut-être déjà remarqué. Jinto. Quoi? Votre fille, elle était enceinte de 8 mois, des cheveux blonds coupés courts. Hein? Oui. Qu'est-ce que vous savez? Vous l'avez vue? C'est pour elle que nous sommes venus ici. Est-ce qu'elle va bien? Hein? Je vous en prie. Monsieur, dites-moi qu'elle va bien. Elle va bien. Oh, Dieu merci. Oh, Dieu merci. Ok. Que Dieu vous bénisse. Ok. Oh! Oh là! Vous vous êtes vraiment fendu la tête, pas vrai? Nice, ça va aller. C'est cool d'avoir la même voix que le gars principal dans Far Cry 3. Vous cacher, jusqu'à ce que vous alliez mieux. Merci. Tout va bien. Détendez-vous, je vais vous protéger. Reposez-vous et prenez des forces. Facile de porter plus. Ethan va s'occuper de vous.
Comment je fais pour savoir si je suis blessé? Dormir. Ouais. Ok. Là, je sais pas c'est quoi qui s'est passé avec Lynn. Elle s'est fait enlever. Mais on sait pas trop qu'est-ce qui se passe avec ça. Pour le moment. L'étranger. Le prophète n'a pas besoin de toi pour trouver la putain du diable et son débauché. Ne t'interroge déjà d'autres hérétiques à la chapelle. Dieu va le quitter. Je pas aller... Oh, oh. Tabarnak. C'est un démon. Tu as péché lorsque tu as refusé ta fille au prophète. Tu as péché depuis pour le nier. Stop, laisse-moi parler à Nat. Oh non. Oh, où est l'étranger? Sa semence a engendré notre ennemi. Dieu et le prophète veulent son sang. Laisse-moi parler à Nat, je peux tout expliquer. Dieu n'écoute pas les morts. Oh non! Ne bouge pas. Oh non. Pénitence. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Oh non. Non. Va tuer. Il est mort. Jeton du diable. Hé, où là? J'espère que t'as retrouvé ta fille. Ah... Arracher la planche. Il ne lui a rien dit. Même si... Merci. Aïe aïe. Bon. Ça va mettre fin à la partie ici. Merci d'avoir regardé la partie 3 de Outlast 2. On se voit dans la prochaine partie. J'espère que vous aimez bien la série. Si vous l'aviez déjà écouté de Markiplier ou d'un autre, c'est parfaitement correct, mais je fais ma propre version. Ciao!